c'est un album très personnel, très Skip the Use. Donc si les gens ont aimé en concert, si les gens ont... Je pense que sur Can't Be Late, on a vraiment eu un disque qui était super sympa. Peut-être que les gens, quand ils nous voyaient en concert, il y avait certaines choses qu'ils ne retrouvaient pas dans l'album. Je pense à une attitude en interprétation. Voilà, c'est plus le cas, je pense. Là, le mec qui est devant toi ou qui parle en promo, c'est très personnel. C'est très Skip the Use. Il n'y a pas plus. J'ai jamais fait un disque aussi personnel que celui-là. Donc, si les gens nous aiment bien, ils aimeront bien le disque. S'ils nous aiment pas, ils aimeront bien le disque aussi. Été plus loin, plus au fond des choses, on a pu essayer des choses, on a pu revenir dessus, on a pu aller beaucoup plus loin dans les titres et c'est vraiment ce qu'on voulait faire vraiment avec ce disque, essayer d'aller plus profond des choses. On a eu plus de temps pour le faire, je pense qu'on a toujours voulu faire des disques comme ça, c'est juste que après c'est une question d'étape, hein, tu peux pas... Et puis oui, l'expérience de la tournée, rencontrer des gens, voir des concerts, puis la vie quoi, lire des bouquins, regarder des films, parler aux gens, échanger avec les réseaux sociaux, etc. Tu développes, toi, il y a une sorte de retour sur ta vision des choses et du coup tu te sors grandi de toutes ces expériences-là et peut-être que du coup ça te rend plus fort pour... réussir à aller plus au fond des choses et de mener le bouchon un peu plus loin, quoi. Il y a une chanson en français, c'est Être heureux. Pourquoi l'avoir fait en français ? C'est une chanson qui parle un peu de la résignation et puis de tous ces gens qui se tournent un peu vers les extrêmes en ce moment, quels qu'ils soient, et puis surtout qui sont très malheureux et qui ne supportaient plus le bonheur des autres ou ne voulaient plus l'accepter ou développer des attitudes d'opposition, voire de haine. C'est une chanson qui parle de ça, du mal-être ambiant et de ce que ça entraîne comme extrémisme, comme réaction. On l'a eu avec, avec le racisme, on l'a avec Dieudonné, on l'a avec le mariage gay, il y a de plus en plus de choses qui arrivent comme ça les unes après les autres. Et je pense que fondamentalement les gens sont de plus en plus malheureux et sont perdus et donc du coup ne vont pas forcément de vision d'avenir et cherchent des coupables et ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. Donc du coup, c'est peut-être con hein, et très naïf, ça l'est d'ailleurs. Et finalement, c'est la seule solution que j'ai trouvée à tout ça, c'était d'être heureux et de trouver un bonheur, même dans la difficulté. On peut m'enlever mon intégrité physique, on peut m'enlever ma thune, on peut m'enlever, mais on peut pas m'enlever ma joie de vivre. Et je crois que finalement, Marine Le Pen, quand elle me regarde, si elle me regarde, salut Marine, savoir que je suis extrêmement heureux dans son pays et dans le mien, dans notre pays, ça doit vraiment lui casser les couilles. Je suis super heureux, Marine. Tout va bien. Un album, c'est une photo d'une époque à un moment donné. Je trouve que dans cette époque, la tolérance, c'était vraiment quelque chose, moi, qui me sautait un peu à la gueule. Le manque de tolérance de partout. Et c'est vrai que c'est un concept qui revient beaucoup dans l'album. Ça revient dans Être Heureux, ça revient dans Story of Gods and Men, ça revient dans Nameless World, où on parle des gens un peu laissés pour compte. Et on trouvait ça rigolo de mettre en image, musicalement, cette tolérance, de dire... Ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire un texte où on parle de ces gens qui sont mis de côté dans la société. Et on essaye de, même s'ils ont a priori rien à voir avec nous, de faire quelque chose avec eux.
tu prends A et Z et t'essayes de faire une phrase. Eh ben on a pris du ska et du disco et on a essayé de faire une chanson.